Bonjour. Que vous évoque le mot TV ? C'était le moment de réfléchir. Attends, recommence quand elle parle plus, parce que sinon c'est... Non, ça va, on est droit dans le pays, j'ai fait exprès. Alors le mot TV, ça m'évoque Marseille, parce que V la T, c'est télé V. Donc V la T. Et moi j'aime bien boire le thé. Alors Et le thé, ça m'évoque V, ça c'est du bon thé. Et j'aime bien le bon thé. Et donc quand on me dit V la TV, V le bon thé, ça me plaît. Voilà, j'aime bien. Très bien. Et la télévision, ça vous évoque quoi ? La télévision, ouais, ça m'évoque les années. Les années de jeunesse, toute ma jeunesse passée derrière le canapé à essayer de sortir la tête pour lorgner un écran, puisque à partir de Bonne Nuit les Petits, j'avais plus le droit de regarder la télévision. Donc je l'entendais, ça m'évoque un petit peu plus le son que l'image, puisque l'image, je devais l'imaginer. Très bien. Et que vous évoque le mot Marseille ? Ah, Massilia. Massilia, ben c'est une... Massilia. Massilia, c'est un petit peu le berceau méditerranéen de la France. Ça m'évoque un petit peu ces navigateurs qui sont arrivés à Marseille, mais paraît-il il devait déjà y avoir des Gaulois, mais les Gaulois m'en a pas trop parlé à l'école, donc je sais pas trop, il faudrait que j'aille en discuter avec des Gauliens, mais des Gauliens j'en connais, ah si j'en connais un, mais c'était pas le même de Gaulle, mais Et Marseille actuellement ? Hein ? Marseille actuellement, c'est un melting pot assez impressionnant qui est vraiment très très qui est très impressionnant pour moi, parce que moi je suis d'une culture, donc à Marseille on parle français, mais on parle à peu près 200 français différents et chaque mot veut dire exactement la même chose dans tous ces dialectes ou dans toutes ces cultures, mais veut pas vraiment tout à fait dire la même chose. Donc j'ai du mal à savoir ce que veut dire chaque mot. Donc déjà les langues, c'était un peu compliqué, mais la langue là, elle devient vraiment très très compliquée. Et là où il me fallait peut-être une demi ou un quart de seconde pour comprendre ce que voulait dire quelque chose, il me faudra 2, 3, voire 4 ou 5 décennies pour comprendre maintenant ce que veut dire un mot, n'importe lequel. Très bien, merci.